Devant près de 600 personnes, le JFCA n'a pas le droit à l'erreur et face à Toulouse, une solide formation du championnat, les Ajacciens rentrent parfaitement dans leur match. Les hommes de Frédéric Ferrandez sont en forme et ça se voit sur le terrain. Bentara et Trutchev, le duo fonctionne en attaque et en moins de 30 minutes, le premier set tombe dans l'escarcelle rouge et bleu. La suite de la partie est plus serrée. Les Toulousains se réveillent et retrouvent leur niveau. Ils mènent même de 6 points dans ce deuxième set. Mais les Diables Rouges vont reprendre le dessus et finalement s'emparer de la manche, 25-22. C'est une belle réaction du groupe parce qu'on fait la même chose à Poitiers. Malheureusement, on ne concrétise pas, on ne repart pas avec un point. Donc c'était vraiment frustrant, je pense, que pour tout le monde. Ce soir, c'était une belle réaction de voir qu'on était mené et puis on n'a pas lâché. Et ça, c'était vraiment, vraiment très, très positif pour la suite. Le troisième set va être une démonstration de la part du JFCA. Même si Toulouse s'accroche sur tous les points, le Gaz s'impose 3-0 et rajoute 3 points de plus à son compteur. Ce soir, on avait la pression du résultat. On se devait absolument de gagner pour pouvoir espérer un petit peu souffler, parce que notre championnat est très dense et très compliqué. Et là, c'est vrai que ce soir, ces 3 points sont les bienvenus. Grâce à ce succès, le Gazélec grimpe à la 10e place du classement. Il recevra samedi Rennes, leader du championnat, pour la suite de la compétition.